Radio CHGA, c'est une radio pour les auditeurs, c'est une radio de bonne humeur, c'est une radio qui divertit énormément les gens de la vallée de la Gatineau, c'est notre public premier. C'est une radio qui informe également beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la scène locale et régionale. Et on a une quarantaine de bénévoles également, la plupart sont issus du milieu de la vallée de la Gatineau. C'est des gens qui viennent nous partager leur passion comme ça, semaine après semaine. Il y en a pour tous les goûts, c'est la plus belle radio qu'il n'y a pas. En CHGA, c'est très important dans la communauté de la vallée de la Gatineau parce que c'est quand même la radio communautaire des gens de la vallée de la Gatineau, pas juste la ville de Maniwaki. C'est une radio qui est super active dans le milieu. Nous autres, ces dernières années, on a voulu que CHGA soit un incontournable dans le développement social, communautaire et économique de la région. Peu importe les classes sociales, là, CHGA est là pour eux. Pour eux aussi. T'sais, elle est là pour les écouter, elle est là pour les encourager, elle est là pour faire des actions bénéfiques, puis des actions qui apportent beaucoup au milieu. Là. C'est une équipe super dynamique, puis je les félicite encore après 40 ans d'avoir pu maintenir le cap. Ils sont toujours en train de se surpasser, puis ils vont toujours se surpasser encore. C'est important d'avoir de l'information qui se fait sur ce terrain-là. Et d'abord et avant tout, CHGA répond à ce besoin-là. D'autant qu'au niveau de la presse écrite, ben, on n'a pas connu de grosses années ces dernières années. Là. Nous, on ne fait pas que de la radio pour divertir et informer. On est souvent des gens qui orientent des personnes vers d'autres organismes ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout le temps palpitant et étonnamment, à la radio CHGA, on reçoit beaucoup de visites à tous les jours. Les gens viennent nous saluer, les gens viennent ramasser également des prix. Donc, c'est un vrai grand magasin, la radio CHGA. C'est la marque de CHGA, c'est la proximité qu'ils ont avec le milieu. Tu sais, peu importe, ils vont être là, ils répondent aux besoins de la population. Quand on a du succès financier comme CHGA, puis que c'est pas important le profit parce que c'est pas redistribué à des actionnaires ou quoi que ce soit, bien ça, c'est investi. C'est réinvesti soit dans les besoins techniques de la station ou encore réinvesti carrément dans la communauté de la vallée de la Gatineau. Et ça, je pense pas que ce soit clair pour tout le monde, mais que c'est positif.